Sur un TNI, il faut accorder toute son importance à la qualité des textes projetés. Il faut donc pouvoir modifier rapidement et sans hésitation les attributs des textes que l'on utilise au tableau. Commençons par l'outil texte. Le logiciel Smart Notebook propose pour l'outil texte 6 styles de texte. Il suffit de choisir l'outil texte dans la barre d'outils, puis de sélectionner le style désiré. Celui-ci permet d'écrire avec la police Arial de taille 16 et de couleur noire. Celui-ci avec la police Comic Sans MS de taille 36 et de couleur bleue. L'outil texte étant sélectionné, on peut modifier les attributs du texte dans le panneau des propriétés. Police Courrier New, taille 20, mise en gras et en italique, couleur rouge. Ces nouveaux attributs sont immédiatement mémorisés et restent actifs jusqu'à la prochaine modification ou sélection d'un style. Mais ils ne sont pas conservés à la fermeture du fichier Notebook. Si on désire les conserver, il faut alors personnaliser l'un des styles. On clique sur l'outil texte, on sélectionne un style. Dans le panneau des propriétés, on modifie les caractéristiques du texte. Puis on clique sur « Enregistrer les propriétés de l'outil ». Les attributs s'appliquent au style sélectionné et seront conservés après la fermeture du logiciel. Chaque zone de texte dispose d'une barre d'édition qui permet de modifier les attributs des éléments du texte. Dans la zone active, on sélectionne le texte puis on choisit les attributs désirés. Par exemple, mise en italique, taille 48 et la couleur violette. On peut également changer en un seul coup les attributs de plusieurs zones de texte. Pour cela, on sélectionne les zones de texte à modifier, puis dans le panneau des propriétés, on choisit les propriétés désirées. Ici, toutes les zones de texte sélectionnées seront écrites avec la police Arial de couleur noire. Les textes contenus dans les tableaux ont leurs propres attributs par défaut. Police Times New Roman, taille 20, couleur noire. On peut sélectionner plusieurs cellules et modifier les attributs des textes qu'elles contiennent. Par exemple ici, police Arial, mise en gras et taille 28. Par contre, on ne peut pas modifier d'un seul coup la couleur des textes. En effet, la couleur s'applique ici aux bordures du tableau. Pour changer la couleur du texte contenu dans les cellules, il faudra éditer chacune des cellules et choisir la couleur dans la barre d'édition correspondante. Passons à la reconnaissance d'écriture. On peut à tout moment transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du crayon en un texte dactylographié. On sélectionne le texte manuscrit, on clique sur la flèche de menu et on sélectionne le mot reconnu. La police utilisée pour afficher le résultat correspond à celle définie par défaut, c'est-à-dire la police sélectionnée dans le panneau des propriétés ou celle du style choisi. Il en est de même pour les autres attributs comme la mise en gras par exemple et le soulignement. Par contre, la couleur du texte dépend de la couleur choisie pour l'outil crayon. La taille dépend de la grosseur de l'élément écrit à main levée. Ici, bien que le style de texte choisi soit de couleur verte, le texte converti reprend bien la couleur du crayon, c'est-à-dire le rouge.